the prophecy. Mama jirme na kufa na muto famna ni dawa. Nous sommes zaku zao. J'ai l'onction. Zamana na us. Tout le monde m'aime beaucoup. Nous l'arrête tiana. Tout le monde me respecte. Nous l'arrête manaza. Oui, tout le monde te respecte. Oui, manaza non nous l'arrête. Mais les liens familiaux ne te respectera pas. Fan fat chumfiana kavina chumanaza nosan. Est-ce que quelqu'un m'a compris? As novin zavataresa. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ano famene nora asman zavataresa. Alléluia. Alléluia. Le lien familial ne te respectera jamais. Ni faction fiana ka vina tiana za no mandraksay. Même si tu es un loin. Na vo ustare no. Même si tu es loin par ceci ou par cela. Na isa na nusta no. Dis à ton voisin. Tenene okek no. Peut-être que tout le monde te respecte. Ni te manaza no ni lareta. Peut-être la famille te reconnaît en étant pasteur. Ni te faction fiana ka vina fa eta no mandremante no. Dis-lui, tenez nos nez au cœur naoué. Ils sont tous dans son tennis. Alléluia. 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 Oui, tu es aimé beaucoup par beaucoup de gens. Tenatinul la mare non. Mais le lien de la famille ne t'aime pas. Fanny faction fiana kavina tia non. Il te réclame. Mi tat mi antonoué. Il va te chercher. Aritat ya non fata. Et il va te réclamer. Aritat ya non. Et souviens-toi bien de ceci. Artite na oka uta dinotar. Que l'accusateur des frères. Fan piapangan frala. L'accusateur de nos frères. Ni piapangan ralatika. Dans le livre de l'Apocalypse. Awan bukni Apocalypse. Se tient toujours devant le trône. Dem tsuru ewan lonsesa fiandrana. Et la Bible dit en français. Dem bebulu blaza dem français. Il te réclame jour et nuit. Mi takenau andro manal. Ma chère fait ceci, donc je dois faire cela à sa vie. Non, non, ma chère a fait ceci. Oui. Donc moi je réclame, nous en sommes taki selon ta loi Seigneur. Araklalanor tu si quelqu'un fait cela. Rabisul la manawanzo. Alors moi je peux réclamer ceci. Désolé à ce taki non mignolin. Sans encore parler de la famille. Faites attention. Faites attention. Je sais que tu es un disciple. Je sais que tu es fait parmi les apôtres. Mais Jésus a dit à Pierre. Satan t'a réclamé. Pas à moi. Pas à moi, mais au Père. Mais moi j'ai prié au Père. Pas pour qu'il ne te réclame pas. Mais pour que tu puisses tenir debout devant cette réclamation. Amen. Si un apôtre de Jésus, apostole de Jésus, qui est avec Jésus matin et soir, sept jours sur sept, qui ne fait rien de mauvais pendant qu'il était avec Jésus, Satan pouvait la réclamer. Jésus n'a pas dit. Laisse-le réclamer. C'est rien. Laisse-le. Jésus n'a pas pris cela à la légère. Jésus avait dit. Satan t'a réclamé. Et Satan vous a réclamé. Et jusqu'à maintenant, Satan a pu voir un de vous. Avoir un de vous. Satan. Et les onze, Fanreke de fou, Satan va vous cribler. Arbola ya naf kenare Satan. Mais Jésus a dit, je suis Jésus. Le Saint Jésus. Vous êtes apôtre. Nare apostole. Azararaim Zan. Non. Si Zan tenen Jésus. Alors si quelqu'un ici ose dire, Ramisul la zanet ma santen. Je prie à Soteria. Le Saint va vagatom Soteria. Je suis le fils de Dadari. Ça c'est avec Dadari. Voici, je m'appelle Randinandian. Ah, tu vois que je suis son fils. Et moi je suis son fils spirituel. Satan ne pourra jamais me toucher. Nous avons un hôtel. Qui t'a dit cela? Que Satan ne te demandera pas. Satan va te réclamer. Si ce n'est pas par tes fautes, il va te réclamer par les liens de famille. Il
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'était dangereux ce qu'on va apprendre maintenant. Alors, ces liens-là ne vont pas te respecter. Comment Satan a réclamé Judas? Et voir comment la fin de Judas. Comment Satan a réclamé Pierre. Et voilà ce qui était arrivé à Pierre. Donc à chaque abaissement de ta vie, c'est la réponse de la réclamation. Dis à ton voisin, ma fille Zane. Quand un homme de Dieu, ou bien un prophète, un authentique, j'ai vu l'histoire d'un frère, de mes frères, mes frères d'armes. C'était un prophète authentique. Il voulait se marier. Car c'était déjà le temps. Alors, Dieu l'a répondu que tu vas te marier bientôt. Tu vas te marier bientôt. Mais Jésus a dit, renseigne-toi d'abord sur ta famille. Et renseigne-toi aussi sur la famille de ton futur femme. Renseigne-toi bien d'abord. Car celui avec qui tu sors, je confirme, disait le Seigneur, sera ta femme. Donc l'homme en question, le prophète en question, a eu une confirmation que ce sera sa femme. Au moment où il avait reçu la révélation, son père spirituel, qui était un prophète, avait appelé. Viens toi ici. Amène-moi la photo de la fille avec qui tu es. Que j'ai jamais vu. Et que tu n'as jamais présenté. Amène la photo. Mais mets-la dans une cahier. Et ferme-la. Ne me la montre pas. Et quand il est venu au bureau, le Seigneur prophète a dit, son père spirituel, les deux sont des prophètes. Alors, son père avait dit, ta femme sera comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, son visage, sa couleur, ceci, cela. Dieu m'a dit que ce sera ta femme destinée pour toi. Mais tu as fait deux fautes. Un, tu ne l'as pas présenté. Tu as fait toute seule. Satan va te réclamer pour cela. Car tu n'es pas sous couverture. Deux, tu avais fixé une date sans que je suis averti. Cette date-là n'est pas sous couverture. Satan va te la réclamer. Pour que Satan ne puisse pas te réclamer profondément. Fais une investigation de chaque côté, de ta famille et sa famille. Vous voyez, l'homme en question a reçu que ce sera sa femme. Son père spirituel, qui est un vrai prophète, avait dit que ce sera aussi sa femme.
Yunuvaden. Mais le grand prophète connaissait bien la loi de la réclamation. Il se considérait tout simplement comme déjà apôtre, déjà ceci, déjà disciple. Donc, pour lui, la loi de la réclamation n'a aucun effet. Tu verras de tes propres yeux. Oui, tu as vu. Alléluia. 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 Deux prophètes ont prophétisé sur une seule personne. Que la femme sera ta femme. Mais écoutez ce que le Seigneur avait dit par la suite de la prophétie. Leur mariage ne durera qu'une seule année. Pourtant, c'est parfait et pas permissif. Pourquoi quelque chose qui n'est pas permissif mais qui est parfait. Mais pourquoi? Car le prophète avait dit au petit prophète. Laisse-moi te dire comment, de quelle famille tu sortais. Tu sortais d'une famille qui mettait des bébés au monde avant le mariage. Le grand prophète a dit au petit prophète, vrai ou faux? Vrai ou faux? Et le petit prophète a dit, oui papa, c'est vrai. Le grand prophète avait encore continué. Ton papa connaissait plusieurs filles avant de se marier à ta mère. Et le petit prophète avait confirmé, oui, il raconte toujours cela à la maison, qu'il était avant à dire ceci, cela. Et laisse-moi te prophétiser que ta maman, ta mis au monde, avait des enfants avec ton père différent. Et toi, tu étais le quatrième père de. Oui papa, oui, 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 c'est vrai. Alors pourquoi tu n'as pas fait une investigation sur cela? Tu ne crois pas que ces lois vont te réclamer quand tu feras le mariage? Tout le monde est dans une prison familiale. Mais chaque famille a sa propre prison. Donc tu dois briser cela. Et cela va être brisé. Et cela va être brisé. Ne te confie pas que tu es un homme de Dieu. Ne te confie pas que tu es la fille ou le fils du pasteur Ridan. Ceux qui nous ont attaqué vont t'attaquer. Et ce qui a attaqué ta famille va t'attaquer aussi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je vais faire un exemple direct. Maria est venue au monde avant le mariage, pendant le mariage. Il est dans le ventre de sa mère. Quand nous nous sommes mariés. Di Maria den furna taluan Marias. Ifa tawo ki bunreni za sai vona nambad. Et on s'était converti. Fa tam sese nyuvu. Et après qu'elle était dans le ventre de sa mère. Pere fa tawo ki bunreni za. On s'était converti. Te nyuvu fu sai. Et on a fait le mariage. Di nano mariage. Donc nous étions trois pour faire le mariage. Di zat suru za hatelo nano mariage. Moi, ma femme et Maria là dedans. Ça, c'est une vague de Maria qui a été.
J'étais devenu homme de Dieu. Toi-même, tu sais que je suis un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Maria est née. Maria est convertie. Maria. Mais quand Maria a fait le mariage, elle aussi elle était enceinte avant le mariage. Il y a une réclamation qui nous réclame. Donc si Rebecca ne veut pas vivre la même histoire, si il a une paix de nous faire réclamation les Alléluia. Donc tu dois comprendre ce que tu dois comprendre ce que tu avais fait. Satan a les dates exactes. Les minutes exactes. Les minutes. Et ces dates exactes, minutes exactes. Arrive patre. Quand tu vas emprunter le chemin de la droiture, Satan va mener ça devant le trône. Il réclame. Le livre de l'Apocalypse dit, Satan l'accusateur des frères réclame jour et nuit. Satan le piapanga prala de mitaki maraina wana pariv nyand. Que cela soit reproduit dans chaque famille. La réclamation de Satan. La réclamation de Satan réclame cela pour que cela se produise à chaque famille, sur chaque génération, sur chaque être vivant dans cette famille. Donc ne fais pas de faute sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Renseigne-toi sur ta famille. Car tu sortais d'une famille qui met des bébés au monde avant le mariage, disait le grand prophète. Ton papa connaissait plusieurs filles avant de se marier à ta maman. Ta mère t'a mis au monde par le quatrième papa. Et ton grand-mère avait mis des enfants au monde par l'intermédiaire de 5 hommes. Et toi, tu te considères homme de Dieu. Et que ce lien sera brisé. Non, mon fils. Il faut que tu m'écoutes et tu suis mes instructions pour que ces choses ne t'attaquent pas. Est-ce que tout le monde ici est prêt à écouter les instructions de Dieu? Même si tu es engagé, Satan te réclamera. Tu dis que je ne ferai pas de gaffe de papa, de gaffe de moi, Satan te réclamera. Car c'est pas toi, mais c'est la réclamation. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, toi, tu avais tout cela. Nous en avons non. Tu avais tout cela. Et tu vas te marier à la loi chrétienne. Le diable va rire. Il met Satan. Car l'homme avait dit dans son cœur, le petit prophète. Moi, je ne toucherai pas à ma future femme avant le mariage. Donc toi, tu seras une génération qui va apporter une nouvelle chose dans la famille. Mais Satan ne veut pas que tu emmènes une chose nouvelle dans la famille. Sinon l'autel satanique qui parle contre toi va être brisé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, si tu veux amener quelque chose de nouveau dans ta famille, selon la loi chrétienne, tu vas être combattu. Et quelqu'un dit, est en train de dire, ah, je ne vais pas combattre dans la chrétienne, sinon je vais être combattu. Alors si tu ne vas pas vivre selon la loi chrétienne, tu vivras dans cette prison familiale. Alors tu pouvais être attaqué et tu pouvais sauver ta peau. Vaut mieux d'être vivre comme eux sans être attaqué
Mais vivre leur vie. Qui n'est pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Et qui finira en enfer. Si tu veux emmener cette nouveau monde de vie là. Brise d'abord la loi de ta famille. Pour cela, tu dois faire trois choses. Retenez bien ces trois choses. Briser la malédiction familiale. Ça, c'est ce qu'on appelle manapakauzna. Briser la malédiction familiale. Et après que tu as brisé le lien familial, fais un sacrifice. Manova na usur. Répète, fais un sacrifice. Manova sur, verene manova tour. Je vais expliquer cela. Vous avez l'église, vous avez le soutien. Et troisièmement, arfatela. Se tenir ferme sur les mêmes tentations. Temi tchurtsara manuota ande fakapanama zotiana kavino. Se tenir ferme devant les mêmes tentations. Mi tchurtsara yo alondre fakapanareo. Pour le troisième point. Tu dois prier et jeûner sérieusement. Prier et jeûner sérieusement. Répète à ton voisin. Prier et jeûner sérieusement. Alléluia. Tu m'as donné nos attributs à Kafati. Anna les gamins. Dis à ton voisin, priez et jeûnez sérieusement. Et pour briser la malédiction familiale, tu dois entrer en jeûne de trois jours. Tu ne manges rien. Matin jusqu'au soir. Tu peux quand même boire. Sinon cela ne sera pas brisé. Donc je vous dis à vous qui n'aimez pas le jeûne, même si les bis vont vous briser les malédictions, il y a les choses qui ne seront jamais brisées car tu n'as pas jeûné et prié. Car même Jésus a dit que cette sorte de démon ne sortira pas que par le continuer. C'était Bis Jacqueline qui m'a délivré. Bis Victor. Victor qui m'a délivré. Ah, il est fort, hein. Oh, pour moi, c'était Dadari Zeneniaz en personne. Mais si tu n'as pas entré dans le vrai jeûne, ce qu'on avait brisé reprendra vie. Alléluia. Alléluia. Pourtant, l'homme était prophète. L'homme était prophète. Mais Satan l'avait réclamé. Pierre était apôtre. Mais Satan l'avait réclamé. Est-ce que Risa n'a pas été converti? Risa avait signé pour fou. Mais elle a été réclamée. Et je me demande qui es-tu? Demande à nous et ils avouent nos us que Dieu vous bénisse. Le prophète était un prophète. Son père spirituel l'avait dit que la fille que tu aimes, cela vient de Dieu. Pourtant, il a bien précisé aussi que votre mariage ne va durer qu'une année. Faites attention. Ne dites jamais que moi je suis un ouin. En ce qui concerne les réclamations, moi je suis ceci. Moi j'ai déjà fait des déclarations. Je ne marierai pas. Je ne toucherai pas.
pas à l'homme ou à la femme avant. J'ai déjà fait des déclarations. Écoutez-moi bien, pasteur Rita. Moi, je suis pas ma mère. Je suis contre ce qu'elle fait. Tout ce que contre de ce que tes parents font. Les choses qui sont en train de passer par tes parents vont te contrer. Les avatars manuent à Abraham André Nau à Nafkianoku. Vous êtes un casse à Zato, bien, papa. Faraïun. Alléluia. Alléluia. Dites à ton voisin. Tenez-nous au Kekno. Ne dites jamais cela. Azam Tenian Zanenau. Faites très attention. Mitandre Menau. Car le lien là, Sachi ou Fatu, la prison, les fous, la prison familiale, les fous en Fianaka Vinu, personne n'échappe à la loi familiale. Si Missoula ta favoca nu la lana en Fianaka Vinu, si tu prétends être fort que ta famille, et nous en tout que nous mafnons Fianaka Vinu, non, si tu prétends que tu es plus fort que ta famille, et nous en ramlas en tena nous en mafnons Fianaka Vinu, que tu ne seras pas comme eux. Retiens bien ceci. Ah, moi je ne serai pas comme eux. Moi je ne serai pas comme eux. Papa a mis des enfants au monde. A mis des enfants au monde. Par l'intermédiaire de trois femmes, quatre femmes. Ah, ma maman avait mis des enfants au monde. Et maman a dit par différents papas. Mais moi je ne serai pas comme eux. Fasati tout miséreux. Oui, c'est bien ta réclamation, c'est une bonne réclamation. Mais ne dis jamais cela par orgueil. Ne dis jamais cela sans avoir jeûné, prié trois jours et trois nuits. Car qui l'ont attaqué va t'attaquer. Si tu prétends que tu ne seras pas comme ta famille, pourquoi tu portes leur visage? Donc tu es encore de cette famille. Si tu prétends que tu ne seras pas comme eux, avant de faire cette proclamation, fais un test ADN. Que c'est leur sang qui coule dans ton sang. Alors tu ne peux pas échapper à la loi de la famille. Si tu prétends que tu ne seras pas comme ta famille, pourquoi tu es merne? Pourquoi ta famille est merne? Pourquoi ta famille est merne? Pourquoi tu n'es pas né Sakalava? Car tu n'es pas comme eux. Tes parents sont attendus. Pourquoi quand, si tu prétends ne pas être comme eux, en sortant le ventre de ta mère, tu devrais être un pétillé. L'homme croira que tu ne seras pas comme eux. Je lèverai même que tu n'es pas comme eux. Ton papa est pur malgache. Pourtant tu es sorti chinois. Ah, tu n'es pas comme eux. Papa malgache, maman malgache. Et toi tu es venu au monde en étant un chinois. À partir de là, tu peux ne pas y jeûner trois jours et trois nuits. Car il n'y a aucun lien ancestral qui te réclame. Est-ce que cela existe? Ruta Kabira Zanis. On a sorti sans se dire maman. Alléluia. 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 Dès le moment que tu ressembles à quelqu'un dans ta famille, dès le moment que tu ressembles à ta famille, un des membres de la famille, un des membres de la famille, un des membres de ta famille, ton visage ressemble à ton père. Tu portes la prison de la famille. Et tu dois sortir de cette prison aujourd'hui.
Amen. Dis à ton voisin, je sortirai de cette prison. Yes. Mais tu dois retenir ceci. Hein. Une réclamation peut sauter d'une génération pour atteindre une autre génération. Sans que le père soit touché. Le grand-père a été soulard. Le père n'a pas été soulard. Pourtant les Afghans sont là. C'est ça que je te dis que la réclamation peut sauter d'une famille. Pour attaquer la génération suivante. Pour te cacher que tu n'es pas dans la prison. Mais même si tu n'es pas touché de cela, tu es dans cette prison. Si cette prison n'a pas été brisée, mais le Seigneur a fait grâce. Tous ceux qui sont attentionnés ici, que ce soit sur Facebook, que ce soit ici, peut être délivré. Amen. Pour être délivré de cette réclamation qui te réclame, tu dois faire un sacrifice. Tu dois faire un sacrifice. Je dis pas maintenant. Je dis même pas le mois prochain. Réponds le Saint-Esprit te visite. Fils, ma fille, maintenant fais le sacrifice. C'est là ton moment. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça sera ton moment. Le moment propice. Dis à ton voisin, pour annuler ce sacrifice, réclamation. Il faut que tu fasses un sacrifice. Mila manosurni non. Amen. Car tu es entré, tu es enfermé dans cette prison familiale à cause des sacrifices. Le sacrifice que ta famille avait fait. Ou bien tes ancêtres ont fait. Et tout sacrifice se relie à un autel. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'avait compris? Amen. Même Dieu avait appelé Abraham directement. Donc Abraham était appelé directement par Dieu. Abraham n'était pas un simple évangéliste ou apôtre. C'est un patriarche. Patriarche Abraham. Alléluia. Alléluia. Dieu l'avait appelé pour être un patriarche. Mais quand il avait eu un fils, Dieu d'abord lui a donné un fils par l'intermédiaire d'un autel. Fais-moi un autel, a dit Dieu. Genèse 15, Genèse 18. Genèse 15, il y a 18. Deux autels. Altar à roue. Et c'est ainsi que Isaac était né. Pourquoi Dieu avait réclamé deux autels pour que Isaac soit né? Pour que Dieu soit bien sûr que Isaac vient d'un sacrifice provenant d'un autel. Alléluia. Alléluia. Et quand Isaac était né, car la famille d'Abraham, la famille d'où venait Abraham, était une famille qui jouait beaucoup le fétiche, les astres, les je ne sais pas quoi.
Alors si on ne brise pas l'autel que Abraham avait fait avant et toutes les autels sataniques qui avaient été fait avant, Abraham son fils sera aussi dans le, la magie qu'on sort là. Donc il a prisé cela par deux autels. Et même quand Isaac était né, Isaac a été demandé pour qu'il soit mis sur un autel. Car Dieu avait remarqué car il y a encore quelque chose qui n'est pas très clair sur Isaac. Il a mis sa vérité dans ma savature en Isaac. Mets-le sur un autel. Apetao vene altaris et offre-le comme un holocauste. Te aturi ufanatcha dura. Et vous connaissez la suite. Te itanarem tuene. Isaac a été sauvé de Dieu. Andrimanta yana na chanisaka. Et à ce moment-là, Isaac a été rendu pur. Ta famille jouait beaucoup le fétiche. Mais la route, si ce n'est pas ta mère, c'était ton grand-père. Ils ont construit un hôtel. Et toi, tu vas naître sans construire un hôtel. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Les pasteurs ne sont pas dans l'Ancien Testament. Même l'Ancien Testament se divise en deux. Avant la loi et pendant la loi. Et avant la loi, c'était Abraham. Et nous, tout ce que faisait Abraham, on doit le faire. Car Abraham est déclaré le père des croyants. Et en livre de Galates, il est dit, tout ce qui croit est certifié qu'il est vraiment fils d'Abraham. Il n'a pas dit un descendant de Moïse. Il n'a pas dit un descendant de Josué. Car nous ne provenons pas de Moïse. Nous ne provenons pas de Moïse. Nous sortons d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Abraham avait trois fils. Abraham Ismaël. Ismaël. Qui est devenu les Arabes. Isaac. Isaac. Qui est devenu les Juifs. Lassa. Et nous. Le troisième fils d'Abraham. Le Abraham. Par l'intermédiaire de la foi. Avant nous ne sortons pas d'Isaac. Isaac. Nous ne sortons pas d'Ismaël. Ismaël. Alléluia. Nous sommes le troisième fils d'Abraham. Et la Bible confirme ceux qui sont vraiment d'Abraham. Ceux-ci qui sont venus sur terre par la foi. Donc je suis un descendant d'Abraham. Nous sommes des parents d'Abraham. Alléluia. Je connaissais deux sœurs. Ici, Rafa Venakrua. Je ne vous dis pas qui elles sont, mais elles sont ici. Je ne le vois pas maintenant, mais peut-être au deuxième culte. Je les ai reçues à Tana. Et elles ont raconté des choses. Et quand elles m'ont raconté ces choses, à chaque fois qu'on a quelqu'un qu'on aime, même la personne la personne a un rang très élevé financièrement, politiquement, je ne sais pas quoi encore. Na de ambulbear ref ni ulusa na rabula na une société. Dès qu'elle sort avec nous, refamiara kamnay. L'homme se rabaisse. De manette téléphonis. Miette de ulle. Le ulle miette. Fortune disparue. Voiture accidentée, ceci, cela, cela. Et on a remarqué ça plusieurs fois. Nous sommes parlé entre nous. T'as pas remarqué? Si, quand je sortais avec ma chaîne en premier.
En classe de première, regarde ce qui est arrivé à lui. Un autre aussi dit, oui, j'ai remarqué. Car quand il sort avec quelqu'un aussi, la vie de couple est détruite toujours. Maintenant, les trois sont mariés. Un milliardaire chacun. Mais maintenant, maintenant, ils ne sont même pas millionnaires. On n'ose pas dire à notre mari. Que c'est nous qui est la cause de tout cela. Pourtant, pasteur. On vous suit sur Facebook. Mais Atana aussi, on prie sur une église qui danse et qui. On a un père spirituel. On a tout fait. Et même moi, je suis évangéliste. Quand je prie pour les malades, les malades sont guéris. Quand je fais ci, quand je dis à machin, fais cela, machin réussit dans sa vie. Quand je dis ceci, cela, quand je prie pour les gens, des résultats plus qu'à 1000%. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes rabaissés. Et j'ai prié. La route sur Tamata pour aller à Tamata. J'ai beaucoup prié. Et je me suis endormi. Et Dieu m'a fait voir. Ses ancêtres avaient fait un pacte avec la mère. Eux, ils ne connaissent pas cela. J'ai vu une dame qui sortait de la mer et qui a signé un pacte avec un monsieur. L'un des filles ressemble à ce monsieur. Et la fille qui est sortie de la mer est retournée à la mer. Et le père aussi sortait de la mer. Et le contrat était que la richesse de la mer vient à eux. Peut-être qu'ils te disent que ce sont les carpes, les crevettes. Mais vois le port. Ça, c'est la richesse de la mer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, il a dit, nous sommes issus d'une. Mais moi, j'ai dit, vous êtes issus d'une famille riche. En voyant le contrat, j'ai osé dire cela. Ils ont dit, oui. Votre grand-père est multimilliardaire. Nous avons terre à Tana. Terre et des terres. Mais nous ne jugeons pas cela. Ils ont dit cela, oui. Et le Seigneur m'a révélé. Si tu ne brises pas cette malédiction, si tu ne brises pas cette malédiction, si eux ne vont pas entrer en moment de jeûne, il ne sera jamais rétabli. Si elle meurt, elle va au ciel. Mais la cause de leur échec, c'est la réclamation. Votre père a fait ceci pour toi. Et dans le contrat, le Seigneur m'avait révélé, personne qui sort de cette famille doit prier. Laughed and lalan.
Et le Seigneur m'avait dit, voici comment délivrer ces gens-là. On m'a fait voir une image. Moi et les filles, nous allons retourner à la mer. Avec quelques témoins. On ne l'a pas encore fait. Hein. Elles vont venir. Nous irons jusqu'à la mer jusqu'ici. Et nous allons avec un vieillard. Nous irons avec un vieillard. Et le vieillard remplacera les ancêtres. Le VR va déchirer les papiers, va lancer les bouts de papier, et les filles vont réclamer. Nous ne sommes plus des descendants. Nous ne sommes plus des descendants de la mer. Nous allons vivre. Nous allons vivre une vie nouvelle. Alléluia. Et le Seigneur a dit, c'est tout. C'est tout. Alléluia. 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 Toi, il faut que tu fais des sacrifices pour toi-même. Et non, il y a le sourd, la antenne, non, mitz. À la fin, ils ont raconté à leur mari ce qu'elle n'avait pas osé raconter depuis. Les avocats de sang, ils arrivent en tatara, c'est comme ça. Elle a raconté cela à son mari. Le tatara, il s'arrête en vata. Et leur mari a dit, t'es seul là, c'est. Ah bon? Gars? Ah? Ah? Et c'était des bons maris. Farouz en vata. C'était des croyants. Pim. Ils n'ont pas dit allez oust. Non, ils n'ont pas dit allez oust. Mais ils ont dit, vous allez descendre à Tamatav. Cherche Paparid. Fais cette action. Fais des sacrifices. Fais ceci. Pour qu'on puisse sortir de ce cadre. C'est les familiaux. Alléluia. 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 Dis à ton voisin. Hein? Michel Arnaud l'avait angélique. Enfin, c'est quoi? Angélique. 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 Qu'est-ce que Mme Arana a fait? Hein? Angélique, Angélique, mais ça, Angélique. Angélique, Angélique. Maintenant, Sumaru, Enza Kenzamboul. Sumaru, Enza Kenzamboul. Maintenant, Sumaru, Enza Kenzamboul. Si, si. Si c'est des téléphones en arrière, vous avez des rafales. Maman n'est pas sûre, ça s'en a gâté. Maron tenez-en, il va raver en fibre, il va pas courir. Si c'est. Et Fabia, maintenant, il y a un maro en Zamboul. Alléluia. Alléluia. Levons-nous maintenant. Les Tsanganes, c'est que tu vas prier. Le Seigneur me dit, Rasoul Nzatou. Un homme qui a 3 enfants. Lila Mananzana Katil. Miss Nzamlet. Rasoul Nzatou. 3 enfants. Zanakatil. Je ne sais pas. Tu fais ta job. Mais tu as un problème au poumon. Manana wula ne wani pumo ino. Tat. En tat amni afkavk. Cardiac. Te on fuku. Sisi. Sisi abzaya. Alléluia. Alléluia.
Va faire un homme sauf ton son. Va faire un homme. Prie. I know. Prie. Va faire un homme. Commence à regarder qu'est-ce qui est arrivé à ta famille. Manomboka tsereo inanjavatra nazo ny fianakavinao. Qu'est-ce qui attaque ta famille? Inanjavatra manafika ny fianakavinao. Alléluia. Alléluia. Que tout le monde se tienne prêt. Aoka vonona tsereo avy. Tovy mafy ny vavaka. Akopiny masinao dia vavahinao. Demande pardon à ce que ta famille avait fait, tes ancêtres avaient fait. Aoka na ifona n'andriamanitra ny amin'ny zavatra nataony raha mandrenao sy ny fianakavinao sy ny razambenao. Élève ta voix. Asamratra ny feonao. Tovy mafy ny feonao. Aza mandeha lavitra fa jereo fotsiny hoe inona ny mahazo amin'ny papanao dia inona ny mahazo amin'ny mamanao, inona ny nataony dia inona ny fanaony dia inona ny mamatotra azy. Io ihany ny anafikanao io. Ho anao izay efa manambady somary jereo kely ny ankona ny manodidina. Fa nanontany aza mpaminany lehibe sy mpaminany kely fa io ny vadinao. Le mpaminany kely le andeha anambady, lehilahy ny resaka taraiky anao teo, hoe io ny vadiko dia nampiseho sarina vehivavy izy. Dia le mpaminany lehibe rainy ny teny hoe oranan'izao no vadinao, oranan'izao parfaite avy amin'Andriamanitra fa tsy permissive akory. Fa heritaona ihany izy no mariazy nareo raha tsy hainareo ny lalàn'ny prison familiale. Fa nefa parfaite mpaminany le anambady nahita, mpaminany le rainy ara-panahy nahita. Vavaha mianaran'i Jesosy. Atao mafimafy na mozika atsika amin'ny vavaha. Vavaha sambatry ny feonao. Mifonao andrazam-beonao amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Antsoy Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Harabasekere. Terre prison familiale reo. Les âmes font la taoua. Il était fausse familiale. Antsoy ny afin'Andriamanitra ihany le andeha kontrareo. Rababababase. Karabasekotoreny mariasikita. Mandereny kola babababariande. Zota parakasikiteny mariababasikira mamazolede. Sere yande lelebebo. Antsoy
Se na tonya zaverna. Se na tonya zaverna. Arabashe barana 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 barana. Zokotoro ne bolike shige dige ne baba 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 shige baba. Nombre ke shige barana 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 barana. Bolo utiza tsika manaraka ty fampianarana ty miaraka amin'ny esika rehetra rehetra. Fa mino fa BDP ny concerné anatin'ny izy. Misy anarana vehivavy ho sela. Sa ho seta, ho sela, ho seta. Ha? Misy mafantatra an'izany ve ho zany olo zany? Ho sela, ho seta. Mana variana. Tsisy. Ho sela. Ou c'est ta ou l'autre zèle. Si c'est ta yin tuk manu gan sik am nyan naran Jesus an de manta de pe an de manta an de manta ma gaga an de manta apirin son hava ka son ray masono atir ne fino non funaj nyanat sa yon doan fanta tain ladana ar ayna yin yataw manomboka ny roan'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy tsy hitao anatin'ny lasitra izay fanalavo ny vitana nenenana fa hitsangana izay hiarina ahako amoaka taranaka vaovao tsisy hifandraisany amin'ny tantarany taranako izay nivoahako tonoko amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana ary mitodika manohatra ny tantaram-pirazanana rehetra tsy araka an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny lalaovin'ny razana tany aloha tsy araka an'Andriamanitra ny verin'ny fahasoa kay zavatra ratsy anay lavinay amin'ny anaran'i Jesosy potenay amin'ny anaran'i Jesosy tsy manaraka ny tantaran'ny mama tsy manaraka ny tantaran'ny tata fa na inona na inona na tsy maintsy aleo any tanindrazana azy anafoanana an'izany dia ambarako sady lazaiko io fa tsy maintsy vita zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen mba hitety tanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy Kristo.